La Cour clôt les débats dans cette cause. Quel bon en délibéré pour rendre son arrêt sur le bon. Bien que l'arrêt soit entièrement rédigé, il sera lu sur dispositif. C'est pourquoi, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée à ces jours, vu la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit que la requérante n'a pas qualité pour saisir la Cour en interprétation des dispositions de la Constitution. Cependant, la recevabilité de cette requête n'est appréciée qu'à l'aune du rôle régulateur des pouvoirs publics que la Cour constitutionnelle est appelée à jouer, tel qu'il appelle de sa jurisprudence constante en la matière, en vue d'assurer la régularité du processus électoral et le bon fonctionnement des institutions de la République. L'article 5, alinéa 5 de la Constitution signifie, s'agissant du droit d'être électeur, que tous les Congolais ont le droit d'être électeurs et de bénéficier, sauf cas de force majeure, des services de la CENI pour se faire identifier et enrôler. Constate l'impossibilité pour la CENI d'organiser, durant le processus électoral en cours, les opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger dans 66 pays où la République démocratique du Congo a des représentations diplomatiques. Dit que la CENI peut organiser les opérations d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger uniquement dans les 5 pays pilotes sélectionnés, en l'occurrence l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la France. Ordonne au gouvernement de mettre tous les moyens à la disposition de la CENI afin que cette dernière procède à l'identification et l'enrôlement de tous les Congolais résidant à l'étranger pour les cycles électoraux à venir, en commençant par le tout prochain. On donne à la CENI d'étudier, dans les meilleurs délais, les modalités d'inscrire tout dans ses prévisions techniques, l'enrôlement régulier de tous les Congolais, y compris ceux vivant à l'étranger, en commençant par le tout prochain cycle électoral. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié à la requérante, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre, dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.